Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 8e partie du Canada. Là, on va voir les chutes de Montmorency. À plus tard! Et on y accroche une chaudière. Donc, lors des bonnes journées de coulée, quand on a nos trois conditions climatiques en même temps, eh bien là, nos chaudières vont s'emplir complètement d'eau d'érable dans une seule journée. Cette eau d'érable-là, elle est comparable à de l'eau de source que l'on boit. Elle est claire et limpide, mais à peine légèrement sucrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut la faire évaporer pour garder seulement que le concentré qu'on appelle le sirop. Puis pour la récolter, cette eau d'érable-là, bien anciennement, on avait des chevaux avec des traîneaux. Puis sur les traîneaux, on avait des gros tonneaux ronds. Puis nous, on enfilait des raquettes, comme je vous disais, parce qu'il restait pas de neige. Puis là, on allait d'une érable à l'autre pour recueillir cette eau d'érable-là. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il reste encore environ 50 % des producteurs qui fonctionnent encore de cette façon-là. Ce sont les petites érablières. D'accord. Et les plus grosses érablières, voyez-vous, il est arrivé un nouveau système de tuyaux qui va relier toutes les érables une à l'autre et qui va acheminer l'eau d'érable directement à la cabane à sucre. D'accord. Donc, l'eau d'érable, il faut la faire évaporer durant la même journée qu'elle sort des arbres pour avoir une bonne qualité de sirop. Et si vous remarquez ici à l'avant, ce type de fourneau-là, voyez-vous, il est alimenté avec un chauffage au bois. Donc, l'hiver précédent, il faut procéder à la coupe de bois pour alimenter notre fourneau. Ah oui, on en avait plusieurs traîneaux. Quand ça avait fait 2-3 printemps, il fallait les renouveler, c'était fini. Donc c'est de famille depuis des années. Ah oui. Alors voyez-vous ici, regardez, là. Ça, c'est une photo moi, qui date du temps de mes grands-parents où ils récoltent à l'eau. Mm-hmm. Donc là, comme vous voyez. Raphaël, on est où là? On est. À une, comment ça s'appelle? Érablière. À une érablière, il y a un monsieur qui nous a expliqué comment récupérer le sucre d'érable et comment on faisait le sirop d'érable. Voilà. C'était sympa. Ouais, c'était très chouette. Ouais. Emma? Ouais, c'était sympa. Tu la vois? Oui.